Hey, salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Alors actuellement, on est en plein live sur YouTube et Xur vient d'arriver à la tour. Hein, donc si vous voulez le trouver, comme d'habitude, il est en hangar et on va découvrir ensemble ce qui nous a ramené de beau. Donc Xur, cette semaine, qu'est-ce qu'il a? Il a la belle affaire, donc déjà vous le voyez, hein, rien de nouveau, rien de renégat. Il a la belle affaire, très sympa, surtout avec sa pièce maîtresse qui va venir diminuer son flinch. Pas mal, hein, son petit catalyseur. Pour du PVE, ça peut être assez cool. Après, c'est pas la meilleure option non plus. Le cœur des flammes sanctifié, donc vous allez avoir toutes vos capacités solaires qui vont se recharger deux fois plus rapidement quand vous avez votre super. Donc assez intéressant pour les titans solaires. L'arcaniste, qu'est-ce qui nous emmène de beau? La ruse de l'hiver, les frags de mêlée augmentent les dégâts de mêlée. Pourquoi pas pour certains bonus en nuit noire ou ce genre de choses, mais pas exceptionnel non plus. Et pour les chasseurs, la vélocité des éons, concrètement un mauvais exo, donc ne le prenez pas. Comme d'habitude, on a notre engramme prédessiné, on va essayer au cas où, mais concrètement, il ne nous emmène rien de nouveau, j'en suis quasiment sûr. Tout le monde dans les commentaires me dit qu'il ne nous emmène pas du renégat. Et voilà, encore pas du renégat. Donc je pense que cette semaine encore, on n'a pas de Xur qui nous emmène des nouveautés. Peut-être la semaine prochaine, étant donné qu'on a le reset qui tourne. Hein, on a ces 3 semaines au niveau de la corruption et les 3 semaines se finissent la semaine prochaine. Donc peut-être que Xur nous emmènera de l'exo de Renégat. C'est concrètement pas sûr du tout. Hein. Si ça se trouve, il nous emmènera pas du tout du Renégat. Mais juste, c'est peut-être une possibilité. On verra bien. En tout cas, cette semaine, Xur, bah voilà, il emmène des choses pour les gens qui commencent Destiny 2. Je sais que vous êtes nombreux à commencer avec le PSN. Donc ça peut être intéressant. Mais pour les autres, malheureusement, je pense qu'il sera encore un petit peu inutile. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et nous, on se retrouve très bientôt en vidéo ou tout de suite même en live. À bientôt.